c'est ce travail individuel avec les intérieurs. Bon, on fait un petit départ comme ça, parce que je pense que les joueurs intérieurs, comme tous les joueurs de basket, il faut travailler beaucoup individuel. Cette année, on a encore 3 jeunes. La même équipe, c'est un peu compliqué. On est en train de parler avec Ettore tout à l'heure. C'est très difficile parce que 3, ils ont du potentiel. On a Petr Korneli, on a Youssouf Afol et on a recruté Jonathan Jan. Normalement, ces 3 joueurs seront un prospect pour l'NBA. Bon, on a un problème. En disant, le problème, si les joueurs ciblent l'NBA, et c'est tout à fait normal, on pense toujours de quoi faire. Parce que pour l'NBA, je pense être fort sur un ou deux domaines, c'est beaucoup plus suffisant. Au lieu de faire un peu de tout. Ça, c'est le gros problème. C'est pour ça, bon, les exercices qu'on va faire, c'est de faire travailler tout. Mais par contre, vraiment, c'est un problème très difficile pour nous, pour les coachs, parce que s'ils veulent jouer en NBA, il ne faut pas faire un peu de tout. Il faut faire 2-3 trucs très bien. Comme exemple, Rudy Gobert. C'est un exemple pour l'intérieur. Il n'est pas un jeu d'au panier et des choses comme ça, mais il est très fort, rebond et contre. Ce qu'on a travaillé 2 ans, 3 ans. C'était pareil avec Kevin Serafin, c'était aussi la même chose peut-être. On était un peu plus dur, un peu plus sévère avec Rudy, parce que c'était interdit pour Rudy de tirer. Il n'a pas progressé sur ce domaine-là, c'est notre faute peut-être, mais il a réussi à faire quelque chose en NBA. Maintenant, cette année, j'ai encore 3 joueurs comme ça, de même potentiel. 3 grands. On commence à travailler et bon, on fait des entraînements individuels qui durent 1 heure avec eux. Il y a 3 différents domaines. Il y a le tir, il y a le rebond et il y a la défense. On fait les 3. Bon, I think there are some, you know, foreigners also. Maybe I have to explain a little bit in English. I don't know. Où ça va? C'est bon? Français, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Did they want to speak? Are there anyone reading? Yes. Yeah. No, no. We are talking about the big guys. I'm going to do it. We are talking about the big guys. We have a lot of big guys, especially coming from the islands and whatever in France. And I was lucky as a coach because I have always good, big guys. We worked with them, 2, 3, they went to NBA, and now I have 3 more this year. They have a potential, there's a big possibility. I think our problem, the biggest problem for us, when you work with the big guys, for Europe, for the European teams, for the European game, players who is making a little bit from everything, is good. But if they want to go to NBA, this is different. In NBA, they don't look for a player who can do everything, a little bit in everything. Because of this, now the drills that I will try to show you is to create a player who can do. I mean, there's everything. There's shooting, rebounding, defense, but a lot of young guys, they want to go to NBA, and now at that time they must very specialist on couple things, let's say rebounding, shot blocking, outside shot, whatever. Bon, la même chose. Bon, il y a 3, there are 3 different, il y a 3 différents entraînements. Bon, il y a le tir, il y a le rebond, le box out. Il y a des dépenses. Il y a certains exercices qu'on a mélangés tous. Mais ce qu'on préfère, surtout, on fait toujours un de chaque. Par exemple, on fait un exercice de tir,
One practice, one drill, shooting. The next one is rebounding. And the next one is the defense. We never put one defensive drill, another one defensive drill, two rebounds, and two shooting. We have to, all, toujours on met en ordre, shooting, rebounding, and defense. Et après, on revient. Normalement, c'est un entraînement qui dure maximum une heure, is maximum 1 hour practice, and they cannot, it's not easy practice, they cannot make two times this practice in 1 week. It's very difficult because it's not easy. At the same time with the coaches, one part is big guys working on one basket or on the one side of the court, and the other on the other side of the court, outside players. So we just, most of the time we are doing this before the weightlifting or after the weightlifting practice. On fait ça en général soit après la musculation ou avant la musculation. Bon, maintenant, on va commencer tout de suite de voir. Bon, on va commencer avec des choses très très faciles. Pour l'échauffement, peut-être ils sont prêts avec un tir. Après, derrière, on va faire un exercice de rebond. Et après, on va avec un exercice de défense. Trois. Et après, on va enchaîner et puis on va voir notre durée. Voilà. Maintenant, j'ai besoin des intérieurs. Hein, c'est, les petits sont. Il faut prendre des ballons. OK. Tout le monde est là. Vous n'êtes que deux. Non, non, bah, attends. Il faut faire quelque chose parce que vous allez mourir. Encore? Un, deux, non. Ah, c'est bon. On va commencer, c'est très simple, c'est juste pour l'échauffement. Tout le monde prend un ballon. Passez le ballon. Il faut rentrer dans la raquette, revenir de ce côté. Je te redonne le ballon. C'est très simple, tu prends le ballon, un dribbling, maximum deux, et tu termines avec jump. OK? Ça, c'est juste pour l'échauffement. Hein. Let's go. Tous. Ben, voilà, hop. Maximum un dribbling. Hein. Voilà, hop. Ça, c'est que, on fait ça que pour l'échauffement. Hein. Il n'y a rien de spécial de ça. Qui a commencé? Vas-y, encore. Vas-y, vas-y. Let's go. Let's go. Non, l'autre côté. Toujours l'autre côté. Quand on commence à un petit peu évaluer le groupe, on met un joueur devant et tout le monde, ils savent très bien. C'est jump hook, c'est feint, drop step, left ou spin move. Le premier fait quelque chose et tous les autres, ils suivent le premier. D'accord ? Passe-moi le ballon. Et encore. Continue comme ça. Voilà. Drop step, left. Vas-y. Hop. Bon, la clé est ici et là. C'est très simple. Ils font toujours ça. Moi, j'ai mal au genou. J'ai fait une petite entorse. Je viens ici. Feinte. Feinte. La clé. Quand il n'y a pas de défense, il faut toujours dire au joueur qu'il met son pied ici. Parce qu'en général, quand ils font ça, il n'y a pas de défense. Pas de défense. Ils font ça, ils mettent ça. Et là. Non. Quand ils font ça, bien, il faut passer ce côté-là pour finir. OK? Let's go. Hop. Let's go. Voilà. Il faut aussi imaginer la défense. Attention, Marcel.
Bien. Bon, ça c'est de côté, hein. Attention. Reste au sol, reste au sol. Voilà. OK. Le dernier, c'est le spin move. C'est très simple. Il reçoit le ballon. Hop, spin move, and finish. OK. Let's go. Non, spin move. Non, 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 comme ça, direct. Réception, spin move. OK. Garde le ballon, spin move. OK, one more. Ça, c'est que de l'échauffement. Hein. On fait ça normalement de chaque, trois fois de chaque, ça fait 9 ou 12 et 12 de l'autre côté. Ça, c'est pour l'échauffement. Après, on va commencer un exercice qu'on fait beaucoup. Je pense que le problème des intérieurs, c'est le problème de réaction. Bon, ils sont tous derrière, comme ça, une ligne. Passe-moi le ballon. Tu ne vois pas le ballon. Tu ne vois pas le ballon. OK? Je vais dire hop, et je vais lancer le ballon. Lui, il va tourner tout de suite. Réaction. Il va prendre le rebond. 4 fois. C'est un rebond offensif. Il met dedans. OK? Mais un par un. Hein. Quand j'ai dit hop, tu tournes. Mais je vais lancer le ballon. Il faut que tu sois prêt. Tu ne vois pas le ballon. En général, on fait avec les intérieurs beaucoup d'exercices comme ça pour la réaction. Il ne voit pas le ballon. Et d'un seul coup, je lance le ballon. Il faut qu'il tourne, réagit, prend le rebond et met dedans. Là, maintenant, c'est un rebond offensif. Hop! Un peu plus vite. Un peu plus vite. Let's go. Hop! Hop! La clé, c'est tout de suite réaction. Hop! Hop! Ça, c'est le rebond défensif. C'est le rebond offensif. Après, il y a un autre. C'est le rebond offensif. Ça, c'est le rebond défensif. Ils font la même chose, mais il faut faire le premier passe. Maintenant, c'est le rebond offensif que tu mets dedans. Maintenant, tu vas prendre le rebond et tout de suite, je veux bouger quelque part, tu vas me trouver. D'accord? Hop! Tout de suite. Voilà. Ça, c'est dingue. Le dernier, ça, c'est 4 fois d'un côté, 4 fois l'autre côté. Le dernier, c'est rebond offensif, défensif. Passe, course, passe, layup. Encore. Rebond défensif, passe, course, large, je t'envoie, tu mets le layup. Hop! Passe. Hop! OK. Ça, c'est une autre. Ça, maintenant, on est arrivé à rebond. C'est le plus simple. Maintenant, on va faire un exercice de défense de même manière. Un low post, ici, face au panier. Un petit peu large. Face au panier. Face au panier. Défense. Tu vois pas le ballon. Tu vois pas le ballon. Un peu. Tu viens un peu. OK. Il voit pas le ballon. Je vais lancer le ballon à l'un de ses joueurs. Pas de feinte. Il va tirer. Tout de suite, il va réagir. Essayer de le contrer. D'accord? Rebond. Après, derrière, cherche ton rebond. Prêt? Hop! Rebond. Hop. Hop.
Ça, en général, on fait ça 9 fois. 3, 3, 3, 2 séries. OK? On avance très vite parce qu'il y a beaucoup d'exercices comme ça. On revient encore une fois les tirs. 3 joueurs avec 3 ballons. Et un joueur ici. C'est toi qui commences maintenant. Tu rentres ici. Soit tu vas à ce côté, soit tu vas à ce côté, soit tu vas là-bas. Tu prends ton ballon, passe, tu finis. Tu prends ton rebond, même ça rentre, tu passes lui, tu reviens, tu tournes, et puis tu fais encore une fois. Ce côté. Mais chaque fois, c'est toi qui vas aller chercher ton ballon. Et de passer au joueur, le même joueur. OK? Voilà, les passes, il faut faire attention aux passes. On change un joueur, un autre joueur vient. Let's go. Vous êtes fatigué? Tous les exercices sont sur des bases de réaction, surtout pour les intérieurs. OK? Bien, bien. OK. Un autre. Let's go. OK, c'est bon. Maintenant, on vient ici. Un drill de box-out qui dure 5 secondes. Ici, ici, ici. Tu es en défense. L'autre, ici, imagine qu'il y a le cercle ici. Viens là. Voilà. Tu es en défense. Tu es en défense. Laisse le ballon. Je mets le ballon par terre. C'est toi qui vas le faire le box-out. Et c'est toi qui vas faire le box-out. OK? 5 secondes. Viens, là, là, là. Il faut que tu le tiens. Il ne faut pas qu'il vienne et qu'il touche le ballon. OK? Box-out, c'est pareil. Mais il ne faut pas utiliser les bras. Hein. 5 secondes, ça suffit. Go! Go! Non, non, non. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Change, change, change. Vite fait, change. Go! Et voilà, il faut le tenir. Encore. Là, ça, on peut faire ça avec 6 joueurs aussi. Ou même avec 2 joueurs, hein, il n'y a pas de problème. Go! Good. OK. Ça, c'est un exercice de box-out qu'on fait beaucoup. Il y a un autre, après... Prochain, l'autre, on va montrer ça. Bon, maintenant, il y a un exercice. Ça va être un peu compliqué parce que c'est toujours le même principe. OK, j'ai 3 joueurs. Hein. Un joueur ici, dos peint. Voilà. Un joueur là-bas, un joueur là-bas. C'est toujours comme ça. On fait toujours comme ça, des exercices toujours comme ça.
passe le, je veux passer le ballon à quelqu'un, l'un ou l'autre. Tu dois aller toucher le ballon. Quand il touche le ballon, enlève ça. Passe. Après ça, tu reviens et tu le défends. Face au panier. Ok. Mais c'est toujours, tu ne sais pas où le ballon part. Touche le ballon. Vas-y, touche le ballon. Hop, un contre un maintenant. Pas de tir, il faut attaquer. Il ne faut pas courir directement sur le joueur. C'est la clé. Parce que si tu cours directement vers le joueur, il va te battre. Il faut venir déjà ici, une distance que tu peux contrer. Et après, derrière, quand il joue un contre un. One more time, same. Allez, encore, même équipe. C'est bon, prêt. Voilà, il faut attendre, voilà. Bien, let's go, one more time. The other. Hop. Good, ok. Comme on a fait, maintenant, on revient sur, sur un exercice de tir, c'est très simple. Même chose, l'aile, un ballon. L'aile, un ballon. Pas de ballon, ici. Pas de ballon, tu donnes lui. Ok, c'est le même exercice. Chaque fois, tu coupes, réception, dos panier, un dribble. Jump hook, spin move, drop, step, whatever. Prends ton rebond, passe, va à l'autre côté, prends le rebond. 10 fois. Normalement, cet exercice, on fait ça. Après, l'autre, c'est de faire des dunks, hein, des smash, hein, disons. Ils vont faire pareil, mais il faut dunker. Mais tu fais que te tirer maintenant. 10 dunks, c'est pas facile. Ok. Let's go. Passe, passe back. Go de l'opposé, va à l'opposé. Hop. Good. Bien sûr, il faut après, derrière, on ne montre pas les pieds et tout ça, ceux qui sont importants. Je montre que les exercices. Hein. Pass back. Fléchis un peu. Fléchis un peu. Voilà, contrôle. Un peu plus fort, le dribbling. Le dribbling un peu plus fort, voilà. Bien, ça va mieux. Tu vas sauter un peu plus maintenant. Tu vas voir. Voilà. 10 et puis change. Ok, change. Tu fais un petit peu et puis on change. Good, good, good. Pass, back. Hop. Bien, bien. On va essayer. Good. OK. Vas-y. Change. Hop. Pass back, hop, l'autre côté. Good. Toujours deux pieds. Bien, très bien. Good. Allez, il faut marquer. Normalement, c'est 10 marqués. Et 6 droites, c'est 0. Let's go. C'est bon, continue. OK. Maintenant, c'est un exercice de shooting. Maintenant, on va venir à un exercice de un peu rebond. Comme ça, un peu de contrôle et tout ça. Tout le monde a un ballon. C'est ici. Ligne ici. Ligne. Explique l'exercice. Tu es là. Tu
vas lancer le ballon avec la main gauche. Planche. Tu vas aller ce côté-là. Et tu vas faire une claquette avec main droite. Tout le monde est là. Ça c'est pour la touche, pour la sensibilité. Hein. Main gauche, type, main droite. Let's go. Il faut marquer 3. Non, il faut lancer le ballon, il faut que le ballon passe à l'autre côté. Ah voilà, ça c'est bien. Voilà, 3. Non, 3 fois ça. 3 fois et puis après l'inverse. Gauche. Allez, maintenant c'est un peu plus compliqué. C'est bien. Pas mal. Ils sont bien là. Il faut marquer 3. Ça fait 2 pour toi? 2. Let's go. Non. 3. OK. Maintenant, un autre exercice de défense qu'on fait beaucoup. Ça, c'est l'exercice que l'on fait beaucoup. On a besoin d'un petit, un joueur, un meneur qui va dribbler. Hein. OK. Un joueur va travailler. Tu viens ici, là. Tu viens ici. Tu me donnes le ballon. Tu défends. Tu es là. Tu es un peu, tu t'écartes un petit peu. Tu sors. Viens là. OK. Ça, c'est help and recover qu'on fait beaucoup. C'est toujours réaction. Lui, il doit pénétrer. OK. Lui va pénétrer. Prends un ballon bien là. Stop la pénétration. D'accord? Tu arrêtes la pénétration. Après, quand tu arrêtes, tu vas là-bas. Voilà, un petit peu. Passe à lui. Pénétration, tu lances le ballon. Il faut qu'il fasse le contre. Et le joueur qui était là, le joueur qui est là, tu as le ballon. Tu vas lancer le ballon comme ça. Après le contre, tu vas revenir. Tu vas prendre le rebond. Tu vas passer à lui. Field line, passe, l'air. OK. C'est 3 exercices d'affilée. Non. Non. Layup. Il ne peut pas. Layup. Vas-y, on commence. Un layup, l'esprit contré. Let's go. Rebond. Passe. Court. On change, on enchaîne. Le petit reste, on va là-bas. Un autre joueur est là-bas. OK. Rebond. Tu peux lancer comme ça. Il faut qu'il vienne contre toi. C'est pas grave. On change. OK. Let's go. One more. Bon, rebond. Course. On continue, on enchaîne. Let's go, on va faire cet exercice un peu long. Passe, course, layup, let's go. Course, let's go, good. Bien sûr qu'on change toujours,
côté, hein, c'est pas toujours le même côté. Pénétration ce côté-là, vas-y. Pénétration ce côté-là. Stop the ball. Recover. Lock your man. Let's go. Continue, continue. Encore, let's go. C'est bon. On vient ici, tout le monde fait une ligne, pas de petit, c'est bon. Ligne comme ça, tout le monde a un ballon. C'est très simple, c'est aussi un exercice de tir. Sous le cercle, sous le cercle, sous le cercle. Jump hook, pas la planche, sans planche. Gauche. Un dribbling maintenant. Un peu s'écarter. Deux maintenant. Il faut s'écarter. Un et deux. Voilà. Gauche. Ok. Hop, tu rentres. Il faut venir toujours sous le cercle et il faut s'écarter après derrière. Toujours. Point zéro, un dribbling, tu t'écartes. Shoot. Bien. Non. Il faut marquer. Deux maintenant. Deux. Let's go. C'est toi qui as commencé. Encore. Deux séries. Ça suffit, deux séries. Tu as fait deux ou un? Je vais faire. Encore. Un dribbling. Bien. Bien. D'accord. Ok. Ah, c'est lui. Ok. Un dribbling, c'est pas grave. Un joueur là-bas, avec le ballon. Intérieur ici, l'autre, tu es là. Pas de ballon, moi ? Pas de ballon. Un ballon que là. Ok. Un autre drill de box out. Bon, je passe très rapidement là. Tu vas dribbler, mais tu peux dribbler comme ça, sur une ligne, un peu plus. Voilà, c'est bien. Non, non. Là. Okay. Voilà. Tu peux dribbler comme ça. Toi, tu peux bouger comme ça. Comme ça, hein, comme lui. Toi, il faut que tu vois toujours ballon et ton joueur. OK? S'il descend, il monte tout le temps. L'inverse, il monte, il descend tout le temps. Tu peux passer. S'il passe, tu viens un peu plus. Comme ça. OK. S'il passe, il faut que tu interceptes le ballon. OK. Quand je dis tir, tu vas prendre un tir. Maintenant, tu vas aller toucher le joueur, box out, venir et prendre l'ordre. OK? Tu peux passer, hein? Tu peux passer à lui. Il faut qu'il intercepte. Bien. Continue, continue. Quand je dis tir, tu vas tirer. Voilà, voilà. Tir. Box out. Rebound. Okay. One more time and change. Two times each player. Il faut intercepter. Voilà. Tir. Voilà le ballon. Hop, rebond. Change.
Let's go. Tu vois pas très bien le joueur. Ouais. Ouais. S'il pénètre, il fuit, tu peux pas aider. Let's go. Let's go. Now. On va ajouter. Tu vas dribbler. Quand je dis pénétrer. Tu vas arrêter. Tu vas monter en haut. Flash. Passe à flash. Et au contre. OK? Same. 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 Pénétrer. Passe. Un contrôle. Wow. Il faut jouer un contrôle un peu derrière. Let's go. Pénétrer. Un contrôle. Il faut faire attention. Encore. 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 Let's go. Tire. Box out. Bien. Change. Pénétrer. Un contre un. Short. One more time. Let's go. Tire. Rebound. Let's go. The other thing. One more time. One more time. One more time. Bien. Pénétrer. Il faut attaquer, il faut attaquer. Change. The other one. Pénétrer. Good. La clé, bon, on ne rate pas sur, beaucoup sur les détails. Quand il fait une pénétration, son joueur, il est là, disons. Tu fais une pénétration, tu viens. Mais il faut que tu sens où il est. Et quand tu viens pénétrer, il faut toujours mettre le bras pour un peu faire difficile les passes. Parce que si la passe va très vite, c'est impossible de l'arrêter. Parce que tu le sens. Let's go. One more. Fatigué un petit peu. Let's go. Non, pas beaucoup. Let's go. Pénétrer. Bien, mais il faut courir en même temps. Let's go. OK. Tout le monde a fait? Tu as fait un peu? C'est bien. OK. Tu es là. Un exercice de défense. Tu es là. Ouais. Un joueur est ici. Un joueur est ici. Tu vois là-bas. Il a le ballon. OK. Avec la passe, tu fais le sprint jusqu'ici. OK. Un petit, s'il te plaît. Un petit. Fais passe ici, normalement. Bon, comme on a des joueurs, on peut faire. Tu es là. Un petit peu comme ça. Tu as le ballon. Tu passes à lui. Tu vas venir toucher le ballon. Après, derrière, tu vas dribbler comme ça, jusqu'à l'autre elbow. OK. Tu le suis, sliding. Pour les intérieurs, cette sorte de slide latéral, on trouve très important. Tu suis le ballon jusqu'ici, d'accord? Voilà. Passe à lui, passe à lui. Tu rentres, low post. Tu es en attaque. Maintenant, tu défends lui. Tout de suite, tu tournes. Avec la passe, tu tournes, tu essaies de le stopper. Pour la défense de l'intérieur, moi, on a beaucoup pensé, il y a beaucoup de théories, mais toujours, on fait le maximum pour pousser l'intérieur un peu loin, maximum. Mais par contre, quand il prend le ballon, dos panier, on veut toujours
Comme ça. Jamais d'aide, toujours un contrôle. Et on dit toujours à notre intérieur, joue, restez avec son joueur et le 5, entre les deux. Et fais ça. On veut aucun, rien spécial, c'est tout. De toute façon, on ne fait pas trappe, on n'aime pas la trappe. S'il y a un joueur très fort, dos panier, bon, en championnat de France, il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. Mais si c'est un joueur normal, dos panier, on accepte les tirs, rentre, tire, on accepte les tirs au-dessus de nous, comme ça, on accepte. Et, mais pas deuxième chance, d'accord? Celle-là, il faut revenir vite, tu rentres, tu vois un petit peu short corner, pour donner une chance à lui. Tu viens, tu défends. Quand il prend le ballon, tu recules un petit peu, mais pas beaucoup, distance, et on défend. Touche, dribbling. Reste, très bien. Rebond, rebond d'après derrière, rebond d'après derrière. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Très bien. Tu vois, s'il te bat, tu es mort. Il ne faut pas que l'autre joueur le bat. Bon, à mon avis, ben j'ai vu un seul joueur pour le championnat de France, bon, c'est un Français bien sûr, qui sait faire la distance entre lui et son joueur en défense, c'est Jim Bilba. Parce que vraiment, c'était un joueur exceptionnel parce qu'il ne faisait même pas 2 mètres et il défendait les 2 mètres. 15, 2m10, 2m5, 2m8, il sait très bien donner la distance. Je pense que la clé, c'est la distance entre le joueur que vous défendez. Parce que si vous êtes trop collé, il va vous battre. Si vous êtes trop loin, il y aura beaucoup d'espace, il peut faire un dribbling et il peut chuter sur vous. Je pense que l'idéal, c'est la distance entre le défenseur et l'attaquant. Quelquefois, il faut donner de l'espace. Quelquefois, il faut revenir. Mais quand il prend le ballon, il faut garder tout le temps la même distance. OK? Let's go. Il ne faut pas qu'il te bat. Tâche. Oh bon, passe. Hop. Voilà. Continue. Bon, on ne met pas, mais par exemple, là, on peut faire aussi un exercice avec le meneur. Hedging, show up, transfert, même côté ou l'opposé. Le joueur rôle et l'autre peut venir prendre son joueur. Mais on ne fera pas ça. On change côté. On joue un peu ce bloc-là pour voir. Bien, il ne faut pas donner deuxième chance, hein. Ça c'est la clé. Voilà, encore, encore, encore. Là, tu vois. Let's go, il faut donner un peu plus lent, un peu plus lent. Pas tout de suite, parce qu'après, il ne peut pas. Passe. Touche le ballon. Un contre un. Voilà, non, faute. OK, on va faire un peu de tir maintenant. Bon, on fait beaucoup, je passe très vite, hein, parce que cet exercice, pour tous les exercices, c'est très vite. C'est elbow to elbow, mais on fait un peu long ça. On fait un rebondeur ou deux rebondeurs et un joueur. Ici. Tire, ce côté-là, ce côté-là. 20 tirs. OK. La clé, c'est
il faut qu'il tire. Dès que le ballon part, il faut sprinter à l'autre elbow. Ok? Si tu marques, il n'y aura pas de problème. Allez. Un peu plus vite. Voilà, deux ballons, mais bon. Course. Bon, on fait ça, 25. 20, 25, quelquefois deux séries. Un peu plus vite, un peu plus vite. Bien, un peu plus vite, change, 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 l'autre joueur. Change, l'autre joueur, l'autre joueur. Un peu plus vite. Ok, c'est bon. Vas-y, c'est toi maintenant. Vas-y, vas-y. Ok. Là, on fait un exercice de rebond. Tout le monde connaît, je pense, cet exercice. Trois joueurs. Ici. Trois joueurs là. Encore un. C'est pas grave. L'entre. Là, là, là. Là, là, là. Je lance le ballon. Celui qui met le panier sort. En même temps, il met le panier, il sort, un joueur rentre ici. Et on continue à trois. Celui qui marque, sort. C'est normalement, c'est 2 minutes, c'est 6 joueurs. On verra ça. OK? Celui qui met, sort. Le problème, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans le cycle. Si tu rentres dans le cycle, il marque, il sort, il marque, il sort. Let's go. Mets dedans, un peu dur, un peu dur, un peu dur. Allez, prends le ballon, allez, 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 vamos. Let's go, 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 il faut marquer. Hop, sort, rentre, 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 vas-y, continue, continue, tu peux prendre le ballon par le filet là, let's go, let's go, let's go, vas-y, vas-y, attaque, attaque, hop, mets-le, hop, trois, voilà, continue, continue. Voilà, hop, hop, attention, c'est bon, vas-y, 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 rebond, rebond, hop, mets dedans, hop, tu sors, hop, très bien, voilà, aïe, 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 good, 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 let's go, good, ok, let's go, let's go, hop, 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 j'ai fait une entorse comme ça, avant-hier. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon pour le petit, c'est bon. Ok, bon, maintenant c'est, on enchaîne comme ça, les trois, ils restent ici. C'est, il faut marquer 3 paniers. C'est un exercice, bon, on mélange un petit peu parce que c'est difficile de faire ça en ordre. Bien là, là, comme ça. Hop, un 3. Bien là. Tu es là. Tu lances ton ballon. Laisse-lui prendre le ballon. Après, il marque 1 contre 2. Il faut marquer 3 paniers. Mais il faut l'échapper, hein. Il faut pas laisser. Allez, vas-y. Laisse-lui prendre le ballon. Allez, hop. 2, 1. Stop, 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 stop. Chaque fois, tu resets. Tu reviens à 0. Tu fais 1. Let's go. Il faut organiser, hein. Il faut organiser, hein. Non, c'est lui, toujours c'est lui. C'est toujours 1 contre 2, c'est lui. C'est 1 contre 2, toujours lui. Tu peux prendre, mais bah, il faut, si, ouais, voilà. Pour l'instant, c'est 0. Prends le bas, 1. Il faut, voilà, 1. C'est lui toujours. Il faut qu'il fasse 3 de suite. C'est pas claquette, c'est prendre et puis attaque encore une fois. Let's go.
Allez, allez, allez. Vite. Pousse, pousse. Encore zéro. Hop, pousse. Encore, encore. Ok, change. The other foot. Change, 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 change. Bien. Encore. Un. Il faut être un peu plus dur avec lui. Il ne faut pas s'écarter. Il faut essayer de rentrer dedans. Voilà. Voilà. Bien. Encore. 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 Tout le monde a fait? C'est toi maintenant. Vas-y. Encore. Good. One more. One more. One more. Bien, bien. Encore, encore. C'est pas fini. C'est pas fini. Ok. C'est bon. One. Drill, encore un exercice de tir. Tu vas au passe, tu vas au passe. Lui, il n'est pas fatigué parce qu'il était premier. Tu vas là-bas. On fait les mêmes choses, mais cette fois-ci, turnaround jump shot. OK? Un ballon et un ballon. C'est là-bas. Tu veux un côté ballon? Réception, turnaround, jump shot. Suis ton ballon, prends le ballon, passe, viens ici. Ok? Quatre tirs, après on change. Quatre tirs, allez, hop, quatre tirs. Ils vont marquer quatre, hein? Allez, allez, change, change. Bien, bien. Normalement, c'est 10 tirs marqués, hein. Normalement, voilà. Attention les passes. Les passes, attention. Passe. Passe, attention les passes. Là, comme ça. Encore. Allez, allez. Ok, change. Ok, c'est bon. Il y a un autre exercice. Ça va être un peu fatigant, mais bon, c'est pas. Tu t'assois par terre. Ça, c'est un exercice un petit peu dangereux parce que si vraiment ils ont mal genou ou des choses comme ça, ça peut être un peu dangereux. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposition. On fait ça 6 fois. Je vais faire ça, le ballon va rebondir, en même temps tu te lèves et tu essaies d'aller chercher le ballon. D'accord ? Je vais marquer ? Oui. Ok ? On fait ça, ça c'est un petit peu, pour les joueurs qui ont un peu fragiles les genoux et tout ça, il faut faire attention. Voilà. On change, on change, on enchaîne. On enchaîne. Il faut aller chercher le plus haut. OK ?
Ça, c'est pour le Guinée. Et puis, voilà, on fait deux fois chacun. C'est bon, ça suffit. Pas plus de deux fois. Hop. Bon. Hop. Un peu plus haut. C'est le deuxième. Tu as fait deux fois. Hop. Vas-y. OK. Ça, c'est aussi un petit peu pour le rebond. Il y a un autre exercice qu'on fait beaucoup, mais c'est, il faut bien organiser. On ne peut pas faire boisson. Non, il n'y a pas de boisson. On met une table comme ça. Un des assistants, soit l'assistant, soit moi, ça dépend. Une table. On monte au-dessus de table. Ça doit être un peu haut, la table. Et on met le ballon au-dessus du cercle. Mais pour chaque joueur, il faut, on tient le ballon, mais pour chaque joueur, on fait le maximum. Il faut qu'ils touchent avec leurs doigts, et chaque fois, il faut gainer, il faut s'allonger pour prendre le ballon. Pour chaque joueur, c'est différent, parce qu'il y a certains joueurs qui passent le cercle comme ça. Nous, on a des joueurs, honnêtement, cette année, très jeunes, mais ils passent le cercle comme ça. Ça, c'est différent, il faut mettre le ballon le plus haut possible, pour qu'il touche. Il ne faut pas qu'il prenne le ballon très facilement. Bon, par contre, bon, si on veut faire un résumé, nous on travaille comme ça, surtout avec les joueurs comme ça, il y a beaucoup d'exercices, on n'a pas le temps, et plus après, derrière, il faut vraiment avoir un peu de l'intensité. Les jeunes, ils ont donné de l'intensité, mais il faut voir aussi un peu de verticalité, un peu... Après, c'est différent. Après, il faut mettre une opposition tout le temps. Comme je dis, cet exercice, cet entraînement, bon, on a passé, normalement, on fait 12 entraînements, 12 exercices de série de 3, 4 fois. Ça veut dire que shoot, rebond, défense, shoot, rebond, défense, shoot, rebond, défense, shoot, rebond, défense. 12 fois, ça fait. Ça dure 65 minutes. Et puis avec les échauffements et tout ça, il faut qu'ils soient prêts, il ne faut pas les casser aussi. Mais c'est un exercice, je pense, après, quand vous faites cet exercice, après ils vont un petit peu, ils vont être un petit peu canalisés sur leur domaine. Par exemple, il y a certains qui sont très forts en tir. Tout de suite, vous allez voir des joueurs défensivement, les contres et tout ça, ils sont trop forts. Et puis tout de suite... On enchaîne, mais en général, nous, peut-être on ne fait pas bien, mais on essaie de travailler, de ne pas créer, de former des joueurs qui savent faire un peu de tout. On essaie de faire un petit peu concentré sur deux, trois trucs. Mais ce n'est pas facile, hein, tous les joueurs. Bon, tout le monde veut tirer, le problème est là, tout le monde veut tirer, tout le monde veut jouer. Une année... J'ai pas eu de problème parce que bon, on a eu 3 prospects en même temps dans la même équipe. Okay, English. I had 3 players in 2008 in the same team. NBA prospect. Nando, Rodrigue et Serafin. It was a little bit, c'était un petit peu difficile parce que bon, le temps de jeu, tout le monde veut jouer. Voilà, Serafin veut le ballon, Nando aime beaucoup le ballon, Rodrigue aussi, il veut jouer. Et puis c'était difficile, mais bon, ils ont des... Vraiment, par exemple, un joueur comme Nando, il a des qualités, un contre un, surtout en transition, il était très fort. Après, il y avait, bon, Rodrigue, c'est un joueur qui va très vite, mais on a eu chance parce que... on a eu chance parce que c'est presque différents postes. Elle est un... Un 2 et un 5. Par exemple, cette année, on est un peu en difficulté parce qu'on a 3 jeunes. Je dis au début, Youssouf Afol, 2m22, 5. Corneli, 2m13, 14, 4-5 pour l'instant. Et le jeune Jonathan Jeanne, 2m17, 4-5. Et plus, malheureusement, on a prêté... On était obligé de prêter Valèze
Antoine Vallès parce que on va mettre où? Parce qu'il y aura un. On a déjà Mouftah Ouyarou, c'est un 5. Après, il y aura un Américain 4. C'est trop blindé pour nous, on a changé. Mais là, avec les jeunes, on fait ça. Quand les matchs, on commence à jouer, on va commencer à jouer 2 matchs par semaine, c'est très difficile de travailler comme ça. C'est très difficile de travailler des trucs individuels parce que 2 entraînements par jour, ça va être toujours difficile à partir du mois d'octobre. Ce qu'ils font, là aujourd'hui, par exemple, ce soir, hier soir, on a joué un match amical, contre Azel, on a perdu. Mais par exemple, aujourd'hui, cet après-midi, ils travaillent. Les choses comme ça. Bon, demain, on rejoue, on ne peut rien faire. La semaine prochaine, on va faire un exercice comme ça, mais ce n'est pas très facile, mais je pense que ça aide beaucoup aux joueurs. Ça donne un peu, beaucoup plus de confiance. Bon, ils jouent... En général, on fait ça le matin. Nous, on fait un peu tôt, 9h30, quelque chose comme ça. Je préfère le plus tôt possible, le matin. Si c'est possible, 9h, mais non, on ne peut pas. On fait 9h30. Mais je pense que pour les jeunes, pour les prospects, il y a beaucoup d'exercices. Hein. On ne peut pas faire ça après. Il faut trouver 6 joueurs qui mettent beaucoup de l'intensité. C'est complètement différent. Mais par contre, je pense que ça a aidé beaucoup aux joueurs. Je peux dire, par exemple, ça a aidé beaucoup à Kevin, ça a aidé beaucoup à Rudy. Je pense que ça va aider aussi beaucoup à Peter, Mouf, à Yous et Jonathan. Moi, je crois beaucoup au travail individuel. J'aime pas beaucoup de travail, beaucoup 5-5. Beaucoup de 5-5, j'aime pas beaucoup travailler. J'aime un peu, maximum une fois, allez, 2 fois par semaine. Mais en général, on fait beaucoup de choses comme ça, avec beaucoup de l'intensité. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'exercices, mais on n'est pas assez nombreux. Il y a beaucoup d'exercices pour les intérieurs, comme on a fait un seul, beaucoup enchaîné, contre, rebond, lay-up. Après, derrière, ils reviennent. Il y a beaucoup d'exercices, mais moi, toujours, cette sorte de travail nous a aidé beaucoup en tant que joueurs. Les joueurs, ils progressent. Après, il faut donner un peu de temps de jeu. Et puis, je pense que les intérieurs, ils progressent un peu plus lentement par rapport aux extérieurs. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être comme un gardien de but, je ne sais pas. Mais ils progressent très lentement. Il faut être très patient avec eux. Il faut faire beaucoup de répétitions avec eux. Quand ils apprennent une fois, ils n'oublient jamais. C'est très intéressant. Quand les muscles ou le cerveau captent, après, ils n'oublient jamais. Mais quelquefois, ça dure. Il ne faut pas, presser et tout ça. Je donne un exemple. Première année, pas première année, mais en 2007-2008, quand je suis venu à Cholet, j'étais à Cholet, c'était 2002e fois, je pense que c'était 2008, Kevin Serafin, il jouait dans la 2e équipe de cadets de Cholet. En disant, c'est quoi? C'est pas cadet France, l'autre. Je ne sais pas c'est quoi. Région. Cadet région. Il jouait à cadet région. Et comme, bon, c'était un garçon qui ne connaît pas le basket, qui n'a pas beaucoup d'expérience de basket, il jouait, même là-bas, il ne jouait pas. Il est venu, bon, on a senti, c'était aussi avec Jim, bien sûr. Jean-Marc connaît très bien, il a travaillé avec Jim. Ben on a dit qu'il y a un potentiel énorme, parce que physiquement, c'est pas normal, c'est pas humain, c'est incroyable, c'est comme un mur, comme ça. On a commencé à travailler. Au début, c'était tragique. Il ne savait pas où, qu'est-ce qu'il fait, il prend le ballon, il ne sait pas où, qu'est-ce qu'il faut faire. Il part l'opposé du terrain, quand on est en attaque, mais... On a travaillé beaucoup, on a insisté beaucoup, on a fait beaucoup de répétitions avec lui, et dans 2 ans, il était drafté deuxième, premier tour. Pour les intérieurs, il progresse très lentement, il progresse très lentement, il faut être très patient avec eux, parce qu'ils sont un peu différents par rapport aux petits. Les petits sont un peu plus malins, on peut dire, il n'y a pas beaucoup d'intérieurs très malins, mais... ils sont vraiment
il faut travailler, il faut être très très patient, répétition, répétition, tous les tirs, tout ça, 50 fois. Pour un coach, c'est pas bon, pour un joueur, c'est pas bon, mais comme j'ai dit, quand cet automatisme commence, tac, 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 après, ils perdront jamais. Beaucoup de travail mental, beaucoup de travail physique. Nous, on fait beaucoup de musculation avec les intérieurs, beaucoup. Hein. Minimum, quel que soit notre calendrier, on fait minimum 2 fois par semaine. Minimum. Quelquefois, 3 fois par semaine. Beaucoup de travail, beaucoup de gainage et puis beaucoup de travail individuel. Je pense que, en France, il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de grands, toujours il y a eu des problèmes. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il y a suffisamment des joueurs qui sont assez grands. Et bien, je pense que l'avenir est bien. Bon, déjà, j'ai 3 pour l'équipe de France. En disant pour l'avenir de l'équipe de France, il y a des bons joueurs. Il y a un très bon intérieur, un 4 qui joue à Rouen, je crois. J'ai suivi le championnat de moins de 20 ans. Il y a du potentiel, tout le monde travaille très bien, mais je pense que le seul problème pour nous coachs, quelquefois on n'insiste pas beaucoup. Il faut insister, il faut être très patient avec les intérieurs, et puis, parce qu'il faut trouver, les petits, on peut trouver des petits, hein. Les petits, il y a partout, mais les intérieurs ils sont très précieux, il y a du potentiel, mais je pense qu'il faut beaucoup insister, beaucoup de travail avec eux. J'ai eu chance, encore une fois, on revient, parce que j'ai travaillé avec des coachs quand j'étais joueur, qui aimaient beaucoup travailler avec les intérieurs. Mais moi, honnêtement, je crois, bon, tout le monde a le même problème, hein, comment on va défendre le pick and roll. Toujours c'est le même combat, toujours c'est le même combat. Et bien partout c'est le même truc, mais je pense que il faut revenir à des choses basiques. Des choses comme ça, pour les extérieurs aussi, il y a au moins 50 exercices quand on fait intérieur-extérieur séparés. Mais je pense que le travail individuel aujourd'hui dans le basket sera la clé. Il faut travailler, bien sûr que 5-5, bien sûr que pick and roll, bien sûr que trap, bien sûr que les formes de jeu et tout ça, mais je pense un petit peu travailler individuel sera beaucoup plus important. C'est mon point de vue. Ben, on a finalement, on obtient le résultat, peut-être pas tout de suite, mais on obtient toujours quelque chose. Voilà. S'il y a quelque chose à demander, parce que moi, 13h, je pars. Hier soir, on a joué un match. Je suis venu ici et puis je repars. On continue, on joue demain contre Malaga. C'est pour ça que je suis venu. Peut-être que ce n'était pas suffisant parce qu'il faut avoir un peu de temps, il faut mettre un peu plus de joueurs pour montrer, mais bon, c'est comme ça. Merci.